Bonjour, bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, un maquillage des plus nudes. Vous voyez, je suis maquillée et pourtant, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, si vous voulez voir ce petit maquillage tout simple, eh bien, je vous invite à suivre la vidéo. Alors, pour mon teint, j'ai pris, bien sûr, j'ai fait mes soins ordinaires, puis j'ai pris la BB Cream Herborian. Moi, c'est vraiment celle que je préfère. Il n'y a aucune photo avec les autres. J'aime bien celle-là et j'aime bien aussi la Garnier. Donc voilà, la BB Cream que j'ai mise sur tout mon visage, y compris sur le dessus des paupières et bien en dessous. Si vous avez les paupières cernées, il faut mettre un petit peu d'anti-cerne avant de mettre votre crème teintée, votre BB Cream. Vous pouvez mettre aussi une crème teintée. Avec un gros pinceau, comme ça c'est un pinceau de chez Elf, j'ai mis un petit peu de poudre, mais juste sur ma partie médiane, celle qui brille davantage, sinon vous pouvez en mettre partout. Puis j'avais dans ma boîte une petite boîte terracotta de chez Guerlain. Et comme je ne prends pas beaucoup de poudre soleil, moi j'ai juste pris le teint rose que vous voyez en bas ici. Je mets tous les liens sur mon blog. J'ai pris avec un petit pinceau blush de chez ELF. J'ai mis cette partie-là que j'ai travaillée juste en petit rond comme ça, vers l'extérieur, sans approcher trop près des rides, ici, ni approcher trop près des rides des yeux, ni du nasogénien. Il ne faut pas que ça pénètre parce que sinon, ça va faire encore ressortir davantage les rides, juste pour faire bonne mine. Et j'ai mis un brillant. Un brillant qui est légèrement doré, moi c'est Yves Saint Laurent, qui est doré mais qui n'a pas d'autre couleur. Voilà pour le teint. Puis pour mon maquillage des yeux, j'ai pris cette palette, la Naked Nude. J'ai joué dans les coloris. Pour toute la paupière, j'ai mis celui-ci, le troisième en partant du plus clair, mais je mettrai les liens sur mon blog. Puis j'ai pris ceci pour faire le petit V et en dessous des sourcils. J'ai pris le plus clair sur toute la paupière et c'est tout ce que j'ai pris. Mais vous auriez très bien pu prendre aussi si vous aviez la naked, parce que la naked, moi je n'ai plus celle-là, mais vous auriez pu faire toute la paupière avec celle-là, y compris l'intérieur de l'œil, et jouer avec ce coloris-là, qui s'appelle naked justement, sur tout le reste. Donc voilà. Et puis, c'est simplement, je vais vous montrer le coloris en swatch, parce que ça, vous pouvez le trouver partout. Vous voyez, c'est un beige un peu soutenu, on appelle ça cachemire peut-être un peu. Donc, je vous montre comment j'ai fait, même si mon œil est un peu maquillé, c'est pas grave. J'ai pris effectivement l'ombre qui est naturelle, celle-ci, la troisième en partant. Et là, j'ai bien travaillé le début de ma paupière, puis j'ai tout balayé, tout, 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 et j'ai monté cette ombre-là, en faisant plusieurs fois, jusqu'au haut de mes cils avec mon pinceau flouteur. Puis, j'ai repris mon pinceau flouteur et j'ai repris celle qui est légèrement plus nacrée. J'en ai repris un peu et là, j'ai juste travaillé le démarrage de ma paupière en allant un tout petit peu en dessous pour justement faire le V un tout petit peu plus brillant. Voilà, c'est tout. Puis, j'ai repris un pinceau ombreur. Alors moi, ce pinceau-là est un petit peu plus grand. J'aime pas les tout petits, c'est un petit peu plus grand. Et j'ai pris l'ombre à paupières, justement, qui s'appelle, je vous mettrai sur le blog parce que là, je ne vois pas, qui est entre les deux. J'ai bien, bien tapoté parce qu'elles ont tendance à faire des chutes. Et là, c'est tout simple. J'ai vraiment travaillé toute ma paupière, mais toute ma paupière. Alors, c'est la paupière mobile. J'ai bien travaillé aussi au démarrage. Quelquefois, on a des yeux qui gongolent un peu, un gondole un peu, un petit peu trop de peau. Et justement, avec cette ombre-là, ben, ça dissimule bien le petit blanc qu'on peut avoir de trop de peau grasse. Et ça marche très, très bien. Et je l'ai simplement amené tout doucement vers là. Quand on a un œil petit, on balance davantage l'ombre à paupières vers le côté extérieur. Puis, j'ai pris un pinceau sourcil. Ce sont des pinceaux qui sont biseautés comme ça. Et j'ai repris la même couleur, une couleur la plus foncée, un petit peu comme ça. Alors, je vous fais, voilà, un tout petit peu plus soutenu. Je l'ai bien tapoté aussi parce que, comme je vous dis, elles ont tendance à faire des chutes. Et du côté
J'applique le côté le plus long et je ramène au ras de mes cils. Ça, c'est tout. Je reprends un peu de matière, je tapote un maximum. Je n'aime pas les ombres à paupières qui chutent. Et pareil, j'ai mis un petit peu en dessous de ma paupière jusqu'au milieu. Alors effectivement, quand on a l'œil petit, il faut le prolonger vers l'extérieur son œil. Et voilà, de toute façon, je vous fais un plan sur mon bloc. J'ai pris un crayon marron, crayon cool marron dans Lancôme, vous avez dans toutes les marques. J'ai fait ma muqueuse intérieure ici, jusqu'au milieu. Et j'ai fait toute ma muqueuse là. C'est tout. Et j'ai pris mon mascara et je me suis mis une couche, deux couches de mascara en en mettant un tout petit peu sur les cils inférieurs. Évidemment, j'ai monté mes cils là et avec un crayon que je n'ai pas devant moi, j'ai simplement mis un tout petit peu de crayon pour marquer mes cils, pour que ma frange soit complète, combler les trous de mes cils. Et voilà, et c'est un maquillage nude. C'est vrai que ça fait très très naturel, c'est joli, c'est naturel. Moi je me maquille beaucoup beaucoup comme ça, moi j'aime bien les maquillages nudes. Bon, c'est un maquillage que l'on peut faire tardivement si on ne fait pas des couleurs trop franches. De toute façon, le nude, ça veut dire naturel. Donc, il faut, et moi, je trouve qu'un nude, c'est plus joli avec des couleurs de peau, c'est-à-dire des couleurs comme ceci. Voilà, en tout cas, si ce maquillage vous a plu, eh bien, allez-y, faites-le et regardez sur mon blog, puisque je vous invite, je parle des petits yeux, comment maquiller les petits yeux. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée.